C'est hyper fragile après cassé. Bon, je reviens après avoir perdu 2 heures à recoller le morceau. Donc, ils ont livré dans le kit qui sont les doublons en fait. Regardez, normalement, c'est une partie qu'on utilise. Donc, J1, J2, J3, J4, J5. Et on a ce côté-là aussi. C'est des sauvegardes, on va dire. C'est au cas où on casse les pièces, on peut récupérer un doublon pour continuer à travailler. Sauf que moi j'ai tout cassé, même les doublons. Voilà, du coup voilà. Ça c'est, j'ai recollé 2-3 morceaux. Par exemple celui-là, J4. Et les deux j'ai cassé. J'ai dû recoller. On voit d'ailleurs. Et J5, j'ai complètement tout cassé les deux. J'ai recollé aussi. Bon, il n'est pas très très en forme. Mais au moins, il est collé. Voilà. Du coup, j'ai beau coller pendant plus d'1 heure et demie. Ça décolle à chaque fois. Du coup, je mets du papier. Je colle sur le papier pour le maintenir un peu. Un peu plus. Pour que ça colle un peu mieux. Voilà. Je suis obligé de mettre, au début je voulais pas mettre la base qui est celui-là. Faites très attention, c'est super cassant. Super cassant. À plusieurs reprises. Voilà. Ça se détache tout seul. De l'autre côté maintenant. Ici.
Attends, je vais essayer. C'est très fragile. Allez, tout doucement. Sinon, on casse tout. C'est hyper fragile, ces pièces. Voilà. Au début, je pensais que c'était ça, la pièce de base, mais c'est pas ça. Après, voilà. Après, pièce J1, J2, J3, J4, J5. Voilà, j'ai cassé J5, j'ai cassé les deux pièces. Même la pièce de secours, j'ai cassé les deux. Donc, j'ai aussi cassé la pièce ici. Donc, j'ai perdu près de 2 heures à coller ici et les autres. Ça colle pas, du coup, je mets un bout de papier pour coller. C'est moche, mais c'est la seule façon pour que ça tienne. Sinon, il n'arrête pas de casser à nouveau. Voilà. Coller avec un bout de papier pour tenir un peu légèrement. Après, je rajoute de la colle ultra rapide, instantanée, colle forte. Voilà. Là, c'est la base, la planche ici pour installer la coque, la base du bateau. Voilà, comme ça. Donc, pour démarrer, il faut par rapport au trou ici. Donc, on insère les pièces superposées entre les deux. Et après, on va insérer cela. J3, J4, J5 par rapport au trou. Donc, avant d'insérer des squelettes dans la planche ici, donc j'ai cette pièce, la quille que j'ai cassée ici aussi. Du coup, pour ne pas compliquer les choses, je prends la pièce J5, donc la dernière pièce qui est ici, parce que la quille doit se coller ici, comme ça. Par rapport à ici, comme c'est cassé, donc il est un peu tordu, j'ai pas pu coller droit. Donc, il faut coller. Donc je vais coller ici en premier avec la colle forte. Donc on voit, il y a des traits ici pour qu'on puisse coller. Ah, je l'ai cassé à nouveau. Voilà, je l'ai cassé à nouveau. Voilà, c'est à l'intérieur. J'ai collé avec la colle moyenne, forte, et colle très forte, mais ça ne tient pas trop, mais je ferai comme ça. Voilà, comme ça. Donc, vais mettre comme ça, c'est plus facile pour moi. Et le deuxième. J3 pour que les me remettre à leur place, qu'ils bougent pas trop. Comme ça permet d'avoir J1, J2, J3, J4. J4, c'est le morceau qui est cassé de partout. J4,
Je vais éviter du coup, je vais mettre GD d'abord, qui est la pièce qui n'est pas cassée. Ah, d'avoir une solide base. Voilà. Donc, J4. Donc, j'ai les pieds cassés pour les J4. Après, la dernière partie qui est ici. Ça bouge de partout. Voilà. Après, on va essayer. De s'emboîter. Ici. 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 C'est bon, là c'est pas bon. Vérifie. Bon, en fait, il faut mettre la colle d'abord. Je vais utiliser la colle blanche. Colle blanche avec une baguette. Voilà. Ici. Donc, je prends la baguette. Je mets la colle. Pour le maintenir un peu en place, qu'il ne bouge pas trop. Donc, pareil, je mets les pointes à décolle. Ici. Ici. Et le premier. Voilà. Voilà. Dans les deux trous, après, je maintiens. Je vais maintenir pendant un instant pour qu'il reste à sa place. Il y a certains qui ne touchent pas du tout. Pour le faire toucher. Donc, une fois qu'ils sont à la place, je vais utiliser la colle forte pour le maintenir.
Bon, donc j'ai perdu une maquette pour rien. Parce que j'ai perdu aussi carrément deux tubes de colle pour rien du tout. Parce que ça n'arrête pas de casser. J'ai cassé sur cassé. Regardez tous les morceaux qui sont partis. Il n'y a rien qui tient. Tout est parti en miettes. Donc voilà. Il n'y a plus rien qui tient debout. Les morceaux qui n'arrêtent pas de casser. Et d'ailleurs, ils sont partis où? Je viens juste de. Voilà. En fait. Pendant l'installation, voilà, il y a un pied qui est cassé ici. On n'a pas la même longueur. Je ne sais pas si on voit ici. Après, il y a ce morceau-là qui est parti. Voilà. Voilà, ici, donc j'ai déjà cassé ici, j'essaie de recoller, mais là c'est cette partie qui est cassée. Ici, donc il y a énormément de casse, donc je jette l'éponge parce que tout est cassé, il n'y a plus rien qui tient dessus.